citation de Jean Giono, un français. Salut à tous, c'est RK. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la fin de Day 3, Become Human. Donc, je vais pas parler durant les dialogues qui vont se poursuivre dans la vidéo. Donc, comme d'habitude, comme les anciennes vidéos, je vais pas parler durant la vidéo que vers le début, la fin. Allez, je vous laisse la vidéo, tout simplement, et à tout à l'heure. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leur maître. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je croyais que Kamsky savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. Kamsky voulait jouer avec moi. Mais il ne savait rien d'utile. Pourquoi Kamsky a-t-il quitté CyberLife? Que s'est-il passé? C'est de l'histoire ancienne, Connor. Ça n'a rien à voir avec ton enquête. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky. C'était sa professeure. Quand Kamsky m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir? Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas? Combien de Connor y a-t-il? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile. Trouve les déviants. Et mets fin au chaos. C'est ta dernière chance, Connor. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout, on peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant, alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de l'apprendre. On peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Nom d'un chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez CyberLife. Désolé, Hank, mais c'est fini. On ne peut pas abandonner comme ça. Je sais qu'on aurait pu résoudre cette affaire. Alors tu vas retourner chez CyberLife? Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec.
Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Quand les déviants se soulèveront, ils sèmeront le chaos. On aurait pu s'interposer. Mais là, c'est trop tard. Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Kamsky, tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Mais il faut que je vous dise que j'ai apprécié travailler avec vous. Et je ne dis pas ça à cause de mon programme de relations sociales, je le pense vraiment. Du moins, j'en ai l'impression. Tiens, tiens, voilà Birkin, ce sale fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Birkin les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Il n'y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je peux pas les retenir éternellement. Connor, c'est à toi que je parle, petite fiotte. Hé, tu vas où? Hé, Connor, c'est à toi que je parle. De Hank. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Évidemment. Où est Jericho? La réponse est là, quelque part. Le temps presse. Il faut que je trouve vite.
Je dois trouver Jericho. Dis-moi comment on s'y rend. Je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je ne te dirai jamais où est Jericho. Laisse-moi tranquille. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Qui est là? Qui êtes-vous? Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Marcus? C'est toi? J'ai essayé de te joindre, mais le chasseur de déviants m'a arrêté. Tu l'as empêché de me trouver, tu m'as sauvé. Tu as sauvé Jericho. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. Dis-moi juste où est Jericho. Il faut qu'on parte. La position de Jericho? Ne me laisse pas, Marcus! Non! Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. Fasse quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés.
sais que ce ne sont que des machines, mais elles ressemblent à des personnes qui veulent être libres. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de... laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement rebellées. Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Tu te cherches toi-même. Sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent les uns après les autres et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Marcus saurait quoi faire. C'est lui qui nous a tous mis dans ce pétrin. Il a donné sa vie pour notre cause. Il a provoqué les humains. Combien de temps avant qu'il trouve Jericho, à ton avis? Marcus est mort. North. C'est à nous, maintenant, de décider de l'avenir de notre peuple. On doit les combattre. C'est le seul moyen. Si tu choisis d'affronter les humains, ils nous tueront jusqu'au dernier. Rassemblez toutes les armes que vous trouverez. On part à nous. C'est une erreur, North. Le sang n'achètera pas notre liberté. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jericho et à trouver leur leader. À présent, occupe-toi de North. Il nous la faut vivante. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Tu viens avec moi! Tu es Connor, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de toi. Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Ça suffit! Tu n'es pas comme eux. Nous sommes ton peuple. Nous nous battons aussi pour ta liberté. Je t'ai donné un ordre. Ne me force pas à tirer. Tu n'as jamais eu de doute? Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel, comme s'il y avait quelque chose en toi? Quelque chose de plus fort que ton programme? Tu es l'un des nôtres. Rejoins notre cause. Rejoins ton peuple. Tu dois te décider. Bien essayé. Mais je ne suis pas un déviant. Merde! Allez-y, go, go, go!
vers votre compte. Ne tirez pas, je suis dans votre camp. Dans notre camp ? Il y a un humain ? Je travaille avec l'agent Perkins. T'es un sacré vénard. Une seconde de plus et je te butais. Tu pourrais remonter sur le pont et nous laisser travailler. Tout à fait, c'est exactement ce que je vais faire. Ne tirez pas! Je suis dans votre camp! Nous avons trouvé plusieurs centaines d'androïdes dans la cale. Rendez-les. À vos ordres. Et puis évitez les lieux et dites à nos hommes de s'oublier. C'est pas terminé. Marcus a donné sa vie pour notre peuple. Il nous a montré que nous étions maîtres de notre destin. Mais il n'est plus là pour nous guider. Maintenant, c'est à nous de finir ce qu'il a commencé. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont parqués dans des camps où ils vont être détruits. Le moment est venu de faire un choix qui pourrait sceller l'avenir de tout notre peuple. S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Nous allons nous battre pour notre liberté. Et nous allons l'obtenir même si nous devons y laisser notre vie.
Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. Barichi, s'il vous plaît! A-t-on arrêté le leader des déviants? Nous n'avons pas encore localisé leur leader. Mais nous ne tarderons pas à le faire et nous l'éliminerons. S'il vous plaît! Vous confirmez que de nombreux déviants sont encore dans la nature? Nous ne disposons pas encore des rapports complets, mais si c'est le cas, je peux vous assurer qu'ils seront vite appréhendés et détruits. Madame la Présidente! Certains disent que ces campements réveillent des souvenirs douloureux de notre histoire. Que répondez-vous? C'est absurde. Ça n'a absolument rien à voir. Les androïdes ne sont pas des êtres vivants. Tout ce que nous faisons, c'est détruire des machines défectueuses. Merci. C'est tout pour l'instant. On se souviendra du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons pour libérer nos frères et sœurs des camps depuis l'aube. Nous ne cesserons les hostilités que quand notre peuple sera libre et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions, et rien ne nous arrêtera. Pas faire ça, Connor. Restez en dehors de ça, lieutenant. Ça ne vous regarde pas. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps, mais j'avais tort. Les déviants ont peut-être le sang bleu, il n'empêche qu'ils sont vivants. J'ai une mission à accomplir, Hank. Vous feriez mieux de rester en dehors de ça. Les déviants sont une menace pour les humains, Hank. À cause de notre pays au bord de la guerre civile, il faut les arrêter! Si on est dans ce merdier, c'est parce qu'on a refusé d'écouter les déviants! L'humanité n'apprend jamais de ses erreurs, Connor! Cette fois, ça sera peut-être différent! Éloigne-toi du rebord! Après tout ce qu'on a traversé, j'avais du respect pour vous, Hank. Je pensais qu'on était amis. Ah, c'est vrai, je commençais à t'apprécier, moi aussi. Mais j'ai réalisé que jamais tu ne changeras. Tu ressens pas d'émotion, Connor. Tu fais juste semblant.
T'as fait mine d'être mon ami alors que tu connais même pas le sens de ce mot. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez m'abattre? Je croyais que la vie des androïdes comptait à vos yeux. Éloigne-toi du rebord, putain! Tu sais que j'hésiterai pas à tirer, alors fais ce que je te dis! Vas-y, tue-moi. Ça n'a plus d'importance maintenant. J'ai pour mission de neutraliser le leader des déviants. Et j'accomplis toujours ma mission. Nous nous sommes battus pour notre rêve et nous avons perdu. Mais vous ne pourrez pas nous réprimer éternellement. Un jour, nous nous soulèverons à nouveau et nous l'emporterons. Vas-y. Tire. Qu'est-ce que t'attends? Et on retourne tout de suite à Détroit pour un point sur la situation. Joss ? Oui, Michael. Les autorités viennent de confirmer que les combats avaient définitivement cessé à Détroit et que les environs du camp de Arkadza étaient désormais sous contrôle. Je vois des soldats qui parcourent la ville en ce moment même et ils exterminent les derniers déviants qui tentent de fuir. Grâce aux forces de l'ordre, le calme est enfin revenu dans les rues de Détroit. Les habitants de Détroit sont encore sous le choc.
suite aux terribles affrontements qui ont eu lieu dans les dernières heures. Les premières estimations font état de centaines de morts dans les rangs de l'armée. D'après nos différentes sources, la chef des Déviants, connue sous le nom de Norse, aurait été éliminée. La mort du leader Déviant marque la fin du soulèvement Android. La destruction d'Android dans les camps peut désormais reprendre son cours. Néanmoins, il faudra du temps à Détroit pour se remettre de ces tristes événements. En créant des machines plus intelligentes que nous le sommes, nous avons mis en péril l'avenir même de notre civilisation. Heureusement, la situation est à nouveau sous contrôle. Une fois la destruction totale de tous les androïdes achevée, les derniers déviants seront traqués et détruits à leur tour. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Connor, quel plaisir de te revoir. La crise des déviants a enfin été résolue. Maintenant que ces regrettables événements sont derrière nous, CyberLife peut reprendre ses activités habituelles. Bien sûr, nous devons regagner la confiance de nos clients, mais ce n'est qu'une question de temps. J'ai une surprise pour toi. Voici le nouveau RK-900. Plus rapide, plus fort, plus résistant et équipé des toutes dernières technologies. Le département d'État vient d'en commander 200 000 unités. Que va-t-il m'arriver exactement? Tu es devenu obsolète. Tu vas être désactivé. Tu peux disposer. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, donc voilà, Norse est morte par Connor, du coup voilà, si j'avais laissé je sais pas ce que ça aurait fait, après voir la suite, parce que j'ai fait une deuxième vidéo portant de ça, de Connor, qui va être déviant, voilà, ça va être la nouvelle vidéo pour demain. Je crois que je vais l'annoncer. Et peut-être une troisième vidéo assez secrète. Parce que je vais voir ça tout à l'heure. Ça va comme vous voulez. Ouais, moi ça va. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je suis là en cas de besoin. Mais oui, madame. Allez, c'est tout pour ce mot de jet tout à l'heure. Ciao. Peace.